bienvenue a Besos de NYC. I'm Patricia Wedding, working hard to bring you intimate portrait of the small gems we have here in NYC, of small businesses that we can all support. Today, I'm at Winemak’her, a small family-owned business by Alexandra Charpentier and her husband, Davy. It's like a little bit of the south of France here in Brooklyn, and you don't even need your passport. Let's meet Alexandra. Alors, nous avons créé Winemak’her, un bar que de vignerons. Ce qui nous a inspiré, en fait, quand nous sommes venus à New York pour créer le bar, on a fait un test de 3 mois avec la famille. On est revenu en France pour faire la carte des vins et on est tombé sur une association de vignerons qui s'appelle les femmes vigneronnes, car nous venons d'Avignon et c'est la Rhône-Valais. Et les femmes vigneronnes m'ont aidé énormément. La première que j'ai rencontrée m'a invitée à New York pour un wine tasting. La seconde m'a présenté ses vins et m'a invitée chez elle. Et en fait, après cette rencontre, je ne voulais plus travailler qu'avec des femmes. Donc j'ai décidé de créer un bar qu'avec des femmes vigneronnes pour les représenter et les promouvoir. Voilà d'où mon inspiration. Et j'ai rencontré des personnes qui faisaient attention à l'environnement, qui étaient très prévenants. Et ça m'a d'autant plus inspirée pour créer ce bar. Donc voilà, c'est vraiment les femmes qui m'ont inspirée. Mais venez, je vais vous les présenter. Toutes les femmes sont ici, pour la plupart. Nous avons Hélène Beaugrand qui s'occupe du champagne. Françoise Antec, que vous connaissez pour la blanquette de Limoux. Françoise Ollier pour le Faugère, qui est du sud de la France. Emmanuel Schnock. Et on a une grande partie de françaises, mais aussi d'étrangères. Donc pour l'Argentine, on a Sofia et Lucia. Et pour New York, nous avons Maria. Donc voilà ce qui m'inspire, c'est le pouvoir des femmes. Elles m'ont beaucoup, beaucoup aidée pour le montage du bar. Elles m'ont beaucoup supportée. Et donc, je voulais vraiment leur rendre hommage avec ce mur de portraits. Et dans le bar, il y a une petite surprise au fond. Venez. Comme vous le savez, nous aimons beaucoup la pétanque en France. Donc, nous avons décidé de créer une piste de pétanque à l'intérieur. Donc cette piste est toute petite, mais elle est là, elle est au chaud et on va pouvoir jouer tout l'hiver. Venez avec moi. On va pouvoir s'exercer correctement. Wouh! Good job, hein? So, j'espère que vous allez venir vous entraîner avec moi et je vous montrerai les règles du jeu. Eh bien, Patricia, on voit un joli rosé de Côte-de-Provence, très clair et très frais pour l'été. Alors, chin-chin. Chin-chin. À bientôt chez Winemak’her. Mmh.